Hop là, salut à tous, c'est Dadelka et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de notre let's play sur Hollow Knight, let's play guide, etc. Dans le dernier épisode, on était allé explorer une zone qui se trouve ici, les falaises hurlantes. Donc on avait tout vidé hein. Et on avait rencontré des maîtres d'aiguillons qui nous avaient appris ces techniques là. Bon, là je me suis raté. On y a. Et voilà, et donc c'est plutôt stylé. Et donc, ce qu'on va faire dans cet épisode... Est-ce qu'il y a un truc à faire spécialement ou pas? Ouais, et du coup, dans cet épisode, on va aller... on va... ouais, donc j'ai une clé simple et ça va me permettre d'ouvrir... un endroit qui se trouve juste en dessous d'ici. Ah oui, on a obtenu la boule de feu, il me semble également. Ouais, c'est ça. On avait obtenu la boule de feu améliorée, donc c'est plutôt sympa. Et donc voilà, donc je vais un petit peu descendre ici pour la suite du jeu, tout simplement. Donc je vous retrouve en bas. Hop, heureux. Voilà, je voulais aller plus ou moins par là, donc déjà. Mais je vais tout lui vendre. Il me semble qu'il y a une touche pour tout vendre. Peut-être celle-là. Non. Celle-là, celle-là, celle-là. Non, je sais pas. Oui. Le journal d'un voyageur. Vous avez un don pour les trouver. Les cadavres doivent être une chose fréquente sur votre route. Nul doute que votre aiguillon en a fait bien plus. Ça va être long par contre. Le journal d'un autre voyageur, et ce journal est d'une autre conception classique en pierre. Qu'est-ce que je raconte? Ce journal est d'une conception classique en pierre. Le texte peut durer longtemps dessus. Dans son déclin, la ville est passée de la pierre au parchemin tissé de soie d'araignée. C'est une petite tragédie, mais l'humidité dans ces tours a rendu la plupart de ces textes illisibles. Le journal d'un autre voyageur, avez-vous entendu parler de cette expression sur les journaux de pierre? Si le danger vous guette tout près et que votre aiguillon est émoussé, lancez tout simplement votre journal sur vos ennemis de toutes vos forces avec un talent meurtrier. Amusant, n'est-ce pas? Et tellement vrai, après tout, ils passent bien leur poids. D'accord. Intéressant ce dialogue. Ah là là. Qu'est-ce que c'est, le journal d'un autre voyageur? Je vais peut-être baisser le volume de ma voix. Voilà, parfait. Le journal d'un autre voyageur? J'en ai tellement maintenant. Quand j'aurai le temps de tout déchiffrer, je serai l'érudit prééminent sur les morts de Hollow Nest. Le journal d'un aventurier, c'est vraiment impressionnant combien vous en avez recueilli. Vous avez dû parcourir le royaume de long en large pour en accumuler autant. Un soldat Hollow Nest, vous êtes véritablement un collectionneur talentueux. Le meilleur que j'ai rencontré jusqu'à maintenant. Si vous continuez ainsi, j'ai bien peur de ne plus pouvoir avoir de place dans ma boutique. Un soldat honnête. Vous êtes véritablement un collectionneur de babababa. Bon là on a peut-être épuisé tous ces dialogues à un moment. Un autre soldat honnête, vous êtes... Ok. Bon voilà, on se fait masquer. Ah ouais, on a vraiment pas mal de choses. Ouais, ok, je sais. Et idole du roi qui se vend 800. Donc allons-y. Ouais. Une idole du roi, eh. Le roi d'Hollow Nest était un personnage énigmatique et divinisé par les citoyens. Le roi étant rarement vu, il était vénéré à travers ses idoles. Elles étaient faites par des mains d'experts. Peu encore en vie pourraient égaler une telle finesse. On dirait bien que vous n'avez pas de reliques sur vous. Si vous parvenez à en trouver en bon état, rapportez-les-moi et je vous donnerai une bonne quantité de géants en échange. T'inquiète, homme. Et donc, examinez un mécanisme avec un trou de serrure simple. On peut utiliser ici notre serrure simple, donc on est basiquement on est en bas de la cité, hein. On est juste là. Voilà, et donc on va pouvoir s'aventurer par ici. Voie d'eau royale. Et donc une toute nouvelle zone. Avec plein de mobs très chiants comme ça.
On voit un banc par là-bas, donc on va aller le chercher. Ok. Ok, ça me va. Hop. Et hop, je me repose un petit coup. Carte mise à jour, on n'a pas de carte, ok, génial. Il y a pas mal de trucs. Bon, on va déjà un petit peu remonter. On va essayer d'explorer en couche. Oh. Voilà. Ah, là, il y a un mur qui est sable. Avec un petit verre dedans. Ah. Je sais pas pourquoi je les tue comme ça, c'est stylé. Aïe. Aïe, c'est... Au secours. C'était sûr. Mais c'était sûr. Voilà. C'est pas bon. C'est quoi ces bruits, c'est ce truc qui fait ces bruits? C'est assez chelou quand même. C'est quoi mes charmes en fait? D'accord. Intéressant. Ah, là il y a des cartes, donc Cornifère ne devrait pas être trop loin. Quoi, là? Non, à part un autre de ces mobs. Okay. Allez, on peut le faire. Ouais, on peut le faire définitivement. Hop. Et nous y voici. Parfait. Aïe, mais comment? Allez, hop, un petit coup de régène. Ah. C'est pas très serein par ici hein. Oh là là. Quelle chance hein, de France. On commence à en avoir pas mal. Mais bon, je sais que genre dans une partie, genre j'en ai 24 hein. Définitivement un truc. Ah, ah. Bon, vous savez quoi, on va déjà aller par là. Et voilà, là on entend un autre truc tout aussi intéressant. Non mais comment? C'est complètement useless que j'ai fait. C'est pas grave. Mais... Ça commence à faire boum. Oui, je joue. Hop. Hop. Ah, j'ai cru que je l'ai one shot. En fait, non. C'est qu'ils se sont dégonflés entre temps. Voilà. Hop. Et donc ça ouvre ça. Et ça ouvre cette porte là. Et ça ouvre Cornifère. Je suis pas doué, ok. Non. Toujours pas, ok. C'est bon. Oh, ces voies d'eau ne sont-elles pas captivantes? Un labyrinthe de tuyaux des tunnels.
Je n'aurais pas pu trouver meilleur endroit pour faire bon usage de mes talents. Tout est si ordonné et si bien pensé. Cet endroit n'est en rien comparable à l'irrégularité grossière des cavernes. Ah, mais je suis si déçu. Ma trompe détecte que la caverne nocive est proche, ce qui signifie que mon aventure humaine touche à sa fin. J'imagine que maintenant, j'en ai fini avec cette carte. Je parierais que ces tuyaux et ces grandes salles devaient être autrefois utilisés pour entreposer les déchets de la ville. Il devait exister une odeur horrible ici avant. Heureusement que cette pluie perpétuelle a tout nettoyé. Ouais. Et sinon, il dit toujours la même chose. Quel choix de pouvoir cartographique. Ouais, ok. Il dit toujours la même chose. Et donc, rapidement, on va aller voir si ça part là-bas. Je suis pas doué, c'est pas grave. Et donc, on retombe. Vous entendez la petite musique. Caverne nocive, on est tout en bas là. Ouais, on voit le petit raccourci en voie du Royal. Ah, il me semble qu'il y a une statue d'ailleurs ici. Et qu'on peut la Dream Nail. Sur rue est plus vite. Sur rue est plus loin. Sur rue est pour toujours. Voilà, c'était la statue sur laquelle on avait obtenu Maître de la Célérité qui nous permet de dasher plus vite, plus loin pour toujours. Il y en a un là, purée. Oh, je l'avais vraiment pas vu. Mais, au secours. Non ? D'accord, adieu. Allez. Ok. Nice. C'est ça que je voulais. Ok. Bon. Voilà. C'est toujours ça de prix. Ouais, on a par contre. On peut pas remonter, semblerait-il. Quoi? Mais comment? Bon. On a perdu un PV, on en a gagné qu'un. D'accord. On a gagné un petit peu d'âme en fait. Bilan, un petit peu d'âme, un petit peu d'argent. Pourquoi pas. Ah, il y a plein de trucs au moins. Faudra qu'on voit. Ok, c'est bon. Examiner, hop, à France. Enfin, on s'y attendait, hein. Ça c'est ma blague qui s'y trompe les Air France. Je s'en souviens. Ok. Et là, on revient à l'endroit du petit grub. Donc, rapidement, il me semble que j'ai manqué juste 2-3 trucs ici. Donc, on va y retourner. Ouais, en fait, j'ai pas l'impression qu'on ait loupé quoi que ce soit. Au final, on avait rien loupé. Bon. On a fait la vérif au moins. Hop, heureux. Je suis de retour au banc. Et donc, bon, on va commencer un petit peu à explorer ces voies d'eau royales. Donc, ces voies d'eau royales. Donc, on regarde la carte. Ok, on a déjà fait un petit peu de ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rester plutôt en haut. Sauf qu'on va aller à gauche, en fait. Allez. Donc, on est arrivé par là, on se souvient. Ah non, non. Ah. Ok, non, oui, on est arrivé par là. Si on va par là maintenant. Mais quoi? Ok, j'ai eu aucun des deux. On a vu le mur cassable. Hein. Non, mais comment? J'essaye de faire des trucs, mais ça marche pas à tous les coups.
semblerait il ok, là il y a un autre truc, donc on va déjà voir ce qu'il y a dans le bloc à sable. Ne prenez pas quelque chose si cela n'est pas à vous. Tout ce que vous voyez m'appartient. Bravo, belle collection. Ne soyez pas en colère. Je partagerai volontiers ma nourriture avec vous si vous me donnez des géos. Et si on achète de la nourriture, attention. Ces géos sont à moi maintenant. N'essayez pas de les reprendre. Voilà. Je vous le donne en mille. C'est quoi la nourriture ? De France. Je partagerai volontiers, gna. D'accord. Ah, c'est peut-être à chaque fois un jeu plus cher. C'est ça. Terminez rapidement. Je vous retrouverai, nous vous apportera à moi. Je dois juste continuer à chercher et prier. Oh, c'est quoi, il a perdu qui? Quand nous reverrons, je vais vous entendre dire que vous êtes désolé. C'est quoi cette histoire? Ça a l'air de triste. D'accord. Ok, donc il y a une histoire triste là-dessus, j'en suis certain. Là, il y a un truc, on est allé voir ou pas? Il me semble pas. Il semblerait que non, ne jamais faire ça dans un tournoi. Allez, let's go. Ok, donc là, différentes voies s'offrent à nous. En théorie, si je vais par là... je retombe, c'est ça, je retombe ici. Donc on va bel et bien aller par ici. C'est pas mal de trucs. On va essayer de revenir vers le banc, vers le bout jusqu'au banc. Allez. Mais c'est ça en fait la technique. Ok, donc là c'est le banc. Génial. Et on charge l'attaque. Il est qui se lève. Bam. Oh là là, c'est bon, j'ai dit. Ah merde, je suis con. C'est pas grave. Aïe, let's go. Ok, on y est. Nice. Et donc là, si on remonte là, en théorie, on a le banc également. Ok, c'est bon. Ah, ici, d'ailleurs, on va s'y reposer. Même s'il va faire hip-hop, les ennemis. Ok. Maintenant, si on va par ici... Ouais, là, ok, là, c'est d'où on vient. Là, un offre ensuite. Ça fait plaisir, quand même, parce que, justement, on en manquait. Ça va quand même très vite, les offrances, hein. Vraiment compliqué de se repérer. Ok, allez, je vois. Là, si on va par là. Ok, c'est bon, je me suis repéré. On va retourner au banc. Non, on va aller par là. Mais... Hop. Et on va aller par ici. Mais comment? Je charge mon coup spécial. D'accord, bon bah ça n'est pas bon. Oh la putain. Ok. Bien pensé quand même à ces petits sorts là qui nous donnent des frames d'invisibilité, ça fait toujours plaisir.
Ok, on a géré de ouf. Rapidement toi. Ok, génial. Comment? Voilà. Oh non, elle a pas tué. J'ai plus d'âme là au fond. Ça. Nice. Et voilà. J'aime beaucoup. Nice. Non mais ce sort il est vraiment très puissant hein, donc peut être utile un petit peu n'importe quand. Autant en boss fight qu'en PvE quand il y a trop de mobs de partout. Déjà, t'es un petit peu plus safe et ça fait ménage. Ouais, bon, ça marche pas, ok, quand je me fais toucher en même temps que je fais l'art, ça ne fonctionne point. C'est cool ça parce que ça nous rapporte de l'âme, cette petite larve. Donc on n'hésite pas à tuer des larves pour avoir de l'âme. Hein. Par où ça va là? Petit coffre. Ok. Ouf. D'accord, je m'attendais vraiment pas à ça. Ok, shortcut. Ah, voilà. Ok. Et là en bas, il y a quoi en fait? Je sais pas, on va aller. Déjà, on va prendre le petit passage secret qui est par ici. Tu me régènes. Hop. Bonjour. Bon, c'est vraiment un boss que j'aime pas, alors on va essayer de le faire un petit peu. Ah. Essayez de deviner pourquoi c'est un boss que j'aime pas. Au secours. Non, pourquoi je me suis pas régène? Mais comment? Pourquoi je me suis... Oh, j'aurais tellement eu le temps de me régène. Bon, c'est pas grave. On va changer nos charmes déjà. Celui-là il est useless. Celui-là il sert. Sinon on s'en fout. Sinon on s'en fout. On va mettre ça. Voilà. On ferait peut-être même mieux de mettre celui-là. Vous savez quoi, on va enlever ça. On va mettre ça et ça. Ok, donc là ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Voilà. Hop. Allez. Aïe, aïe, je saute. Quoi? Mais j'ai pas fait ça. Ah. Ok, je suis mort, c'est génial. Ouais, ce boss j'ai vraiment du mal avec hein. Je pense que ça va me prendre pas mal de try à le faire. Mais au secours. Oh non, j'ai perdu un PV sur mon oncle. Ouais, ça va pas passer hein. Pendant le fight. Aïe. Ok. Non. Encore d'autres. Ok, ça c'est fait. Aïe, putain. Ah là 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 là. Mais il est chaud ce boss, il est chaud. Bah on peut pas faire strat tous les boss non plus. Bon, après ça en fait déjà pas mal qu'on a pas first try hein, cela dit.
Maulek, lui. Voilà. Pas d'autre. Non. Bah c'est bon. Ouais. Pas de soucis à se faire. Ça arrive à tout le monde. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah oui, on peut. Stop. Oh mon dieu, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Ouais, bon, par contre, c'était vraiment nimp. Et bon, je pense pas qu'il soit mort en vrai, parce que je l'ai eu, mais à la dernière minute, alors... déjà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu sa note dans le chasseur, en théorie. Dans le journal, je veux dire. Oui, on l'a eu. Flokmarn, une créature qui se reproduit constamment. Elle a peuplé les voies d'eau avec sa progéniture. Son ventre double de volume pour servir de nid aux jeunes Flukflis. Ces créatures possèdent un désir ardent de se reproduire. D'accord. Et de laisser une trace d'elle-même dans ce monde à travers leur progéniture. C'est un désir qui semble gravé dans chaque créature vivante. J'ai moi-même déjà ressenti l'appel de cet instinct primaire. D'accord. Intéressant. Et donc suspense. Est-ce que le boss est bel et bien mort ou non? On va le savoir tout de suite. Attention. 3, 2, 1. Je pense qu'il est mort vu qu'on a eu sa note dans le journal. Donc ça me rassure déjà un petit peu. Ouais, ok, c'est bon, il est mort. Ouais. Il a bug. Et on obtient Nid de Flux, un petit charme. Que je n'utilise jamais, mais voilà, c'est juste une confession pour le boss. Hein. Voilà. Donc un petit boss bien chiant, comme il faut. Et on amasse de thunes. Je remarque, on amasse de thunes. Let's go. Donc, on allait par où? On allait par ici? Non. Ah oui, oui, je sais où on va aller maintenant. On était par ici. On était en train de monter par là. Ça, on a déjà récupéré. Voilà. Ok, on s'y attendait à ça. On est déjà allé par ici ou pas? Je sens. Ah, c'est moins stylé, j'aime pas. Ok, c'est bon. Ouais, donc on était clairement déjà allé là, mais on a tout fait de la zone là, tu vas me dire. Mais d'accord. Hop là, re. Donc on va tester rapidement le charme Nidflux. Et en fait ça transforme. Voilà, ça fait ça. C'est ouf. Donc si j'attaque les ennemis avec, je crois que ça fait un petit peu plus de dégâts, il me semble. C'est un petit peu chelou, mais voilà. Bon, voilà, donc on va reprendre les charmes de l'expo par contre, c'est-à-dire celui-là. Ça, celui-là je l'aime bien en vrai. Ouais, sauf qu'après j'ai plus de place pour l'autre. Ça, et finalement, c'était quoi notre dernier charme? Je m'en rappelle plus. Ah oui, c'était celui-là. Ouais, donc on est au banc, donc il nous reste à faire quoi? Il nous reste à aller par là, ok. Bon, on va y aller tout doucement. Ah oui, c'est pas par là que je dois aller. Aïe. Bon, on était allé par là, il me semble. Ah. Mais au secours, cette zone! J'ai cru que j'allais mourir. Ok, donc là on y allait.
va aller par là. Petit changement de décor d'ailleurs. Très étrange. Absolument. Ah, boss fight, semblerait-il. Let's go. Peut-être que je gêne. Let's go. Down Defender. Voilà, quand il est sous terre, comme ça on peut faire ça. Bon, on va un petit peu le défoncer. Phase 2. Let's go. Aïe. Bon voilà. Ce boss est tout de suite un petit peu moins concert que l'autre. Tibolet. J'aime bien quand il fait Tibolet comme ça. Rolibama. Ça enregistre, ça se passe bien. Il me semble qu'on peut le taper, ouais. On va le taper quand on fait ça. Ah, rip. Il peut aussi nous taper. Ça qui est diabolique. Et voilà, il est mort. Et tout ça grâce au sport. Au sport, je parle bien sûr des sports de champignons quand on se régène. Salut! Regardez, il est dans le fond. Il se barre. Hop! Écu du défenseur. C'est un charme qui se trouve par ici. C'est un charme cool en vrai. Hop! Donc on ouvre ça. Voilà. Vous savez quoi? On va aller par ici. Ouais, faut le savoir. Voilà, il y a un passage secret ici. C'est un petit peu piégeux. Ce passage secret, il a été rajouté par le DLC Hidden Dreams. Donc le tout premier DLC du jeu. Et voilà, pour l'instant, il n'y a rien. Et est-ce que vous pouvez remarquer ces 5 figures en arrière-plan? Eh bien, savez-vous que parmi ces 5 figures, on en a déjà croisé 3. Et voilà. Et en fait, elles ont une signification bien particulière. Donc je vous en parlerai quand on aura trouvé les 5 justement. Aïe. Donc là on arrive ici, on est où là? Ouais, on est dans l'espèce de colonne et on voit que ça va à la cité des larmes. On y était déjà allé alors. Ouais, je crois qu'on y était passé en coup de vent puis j'avais fait non. Voilà. Et là on arrive à la cité des larmes donc. Voilà. Et là on est dans l'espèce de grande pièce en bas. En bas à droite. Ok. Donc on va descendre par ici. À moins que cet épisode se fasse déjà pas mal long, hein, à mon avis. Bon, bah voilà, j'ai été rect. Et donc je pense que cet épisode commence déjà à être plutôt long à faire son temps. Donc voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Puis dans le prochain épisode, on continuera l'exploration de cette zone. On n'en a pas encore fini, il nous reste un chemin qui peut descendre, puis même cette colonne à descendre également. Et donc voilà, on fera tout ça dans le prochain épisode. Je vous dis salut, à plus.